m'appelle Eno Yafa, donc maintenant 41 ans. Et donc là aujourd'hui, il me représente un petit peu le Komodo. Ben, des amis prennent lui pour mon métier, on va dire. Mais donc c'est tout ce qui est bénévole. Donc moi-même en tant que c'est la passion. C'est la passion, nous l'est là en tant qu'associatif, en tant que collectif. Parce que le Komodo, c'est le collectif de Moringue de l'Ouest. Donc il regroupe un petit peu des associations Moringue. Donc Bataille Coq, école Moringue de Villèle. Donc c'est un premier école de Moringue. Et Saint-Leu, école Moringue Saint-Leu. Vibelle Moringue. Et association Moringue des Trois Bassins. Donc comme c'est collectif de Moringue dans l'Ouest. Et aussi l'association L'Esprit. Donc L'Esprit, Ali, c'est avant tout une association. Il fallait devenir un groupe. Donc Ali, son but, c'est la percussion. Développer la percussion. Donc l'Afrique de l'Ouest, tout ce qui est djembé, Doum Doum, et voilà, et traditionnel. Mais aussi, après, il y a ce côté brassage d'instruments traditionnels de La Réunion, le piqueur, le sati, le bob, le rouleur, le kayom. Et aujourd'hui même, côté personnel, bon, à moi, il y a un mamay au somaz, mais il aime ça que pour faire découvrir la culture tradition réunie à tout ce que tu veux savoir, mais aussi la génération qui arrive d'hier. Et jusqu'à aujourd'hui, ce jour-là, donc c'est la passion et l'anima moins. Par rapport aussi, on a découvert le Moringue donc, en 1994, donc à Villèle. Et à travers le Moringue, il me retrouve le tambour, qui aujourd'hui même il est animateur, professeur à Moringue, donc titulaire d'un BAPAC, spécifique Moringue. Mais après aussi, ce côté jouer là, le tambour, c'est pour accompagner. Donc L'Esprit là, fait un petit partenariat avec Bataille Coq, école Moringue de Villèle, donc pour accompagner les danseurs, parce qu'on a besoin de tambour, on a besoin de musique. Ce collectif a été créé en 2011, hein, donc l'association Moringue et Villèle, c'est depuis 1996, mais l'association L'Esprit même, c'est depuis 1998, mais le collectif a été créé pour ça, c'est aller faire une zone l'Ouest, donc nous regroupons depuis Saint-Paul. Donc nous regroupons pas le port, en sachant que le port aussi est une association de Moringue, mais de Saint-Paul jusqu'à Saint-Leu, Saint-Paul, Trois-Bassins, Saint-Leu, c'est pour ça que nous l'avons fédéré, nous avons créé un collectif pour permettre, ben, sur Saint-Leu, il manquait des musiciens, donc l'association Komodo puis il faut y aller des musiciens à travers L'Esprit. Et après aussi, pareil pour l'association Trois-Bassins, donc s'il manquait des musiciens, donc c'est l'association L'Esprit qui va animer. Mais aussi, mais s'il manque de Moringuer, par exemple à Villèle, les Trois Bassins vont compléter Villèle et pareil, ainsi de suite, Saint-Leu. Donc le Komodo même, le collectif, a été créé pour ça. Mais avant tout, tout il démarre du Moringue et aussi du tambour, donc la percussion. Et là, c'est l'envie là, la flamme qui anime à moi et qui anime tout le groupe. Et en même temps, c'est pour défendre aussi la culture réunionnaise. C'est pour dire aussi, à travers la tradition, pour dire aussi qu'on a du Moringue, mais on a le djembé, on a le maloya, on a le rouleur. Donc parce que ici, la Réunion, c'est plusieurs ethnies, donc plusieurs ethnies, plusieurs styles de musique, plusieurs traditions. Donc c'est ça aussi, il y a même la force autour et du Komodo. Donc nous sommes amenés à être des prestataires, c'est-à-dire que souvent qu'il y a des événements, donc c'est au niveau de la région. La région aussi appelle à nous pour faire ces événements, donc tout ce qui est commémoration du Maloya, liberté métisse, tout ça. Donc nous remercie. Et là aussi, ben, la mairie de Saint-Paul, donc collectivité, tout ce qui est commune Saint-Paul, dans le cadre de Semaine Créole, le Dipavali. Donc là c'est une première. C'est une première aussi qu'on va jouer pour le Dipavali. Donc il n'a jamais été qu'un groupe de tambour, je veux dire, africain ou bien maloya, il s'est joué dans le Dipavali, parce que ça c'est le fait de la lumière, donc la lumière est claire pour tout le monde, pour le peuple et la Réunion. Donc il nous a invité à jouer dans le Dipavali ce 24 octobre, et après Semaine Créole le 31 octobre, donc là aussi nous allons participer. Donc, et après aussi nous répondre aussi tout ce qui est les hôtels, et, par exemple le luxe, ou l'IAT, ou des fois on anime des petites soirées. Et après il y a des gens, ils viennent le mardi soir parce que c'est l'association L'Esprit en cadre. Donc l'association appelle L'Esprit aussi, donc les gens y arrivent. Ben, ils viennent là comme ce monsieur ce soir, il arrive, demande nous ça, ils jouent tambour. Donc nous accueillons des personnes.
tout dans l'esprit ben, bénévole. Après, s'il reste plus longtemps, bien sûr, il y a une adhésion à l'association. Mais au départ, quand on arrive, c'est l'esprit nous accueille pour montrer, pour promouvoir vraiment la culture régionale à travers le tambour, le djembé ou le rouleur ou à travers le moraine. Un message pour les anciens, un message pour des personnes comme nous, les encadrants. Bonnes anciens, transmettre, passe à nous le message, donne à nous. Parce que des âmes, des autres merci, mon grand Mouna, des autres merci pour ça que la laisse pour nous. Merci, ben tout est. Qui n'a pas trappe un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Et là, qui nous encore des personnes de là, la culture, pour partager la culture, pour donner notre savoir, pour que nous, là, aujourd'hui, là, qui nous gagnons, retransmettre ça là, à la jeunesse. Donc le message, ce n'est pas vers cette jeunesse-là, mais le message sera plus pour en haut et pour nous aussi. C'est ben pour nous faire bien mon moyen dans la culture, dans la tradition. Quand je dis la culture, la tradition, là, c'est tous les ethnies, les dans la Réunion. Il fait tamoul, ben, il faut le marmer bien là-dedans, il fait maloya, il faut le marmer bien là-dedans, il est chinois, il faut le marmer là-dedans. Donc là, il faut le bien de son culture pour que nous fassions un sel, nous fassions une force. Et quand nous allons bien là-dedans, ben là vraiment, nous l'appuyons. Nous aurons un partage, nous aurons une monnaie d'échange aussi avec l'extérieur. Donc c'est ça. C'est ça aussi qu'on a comme monnaie d'échange. Ben, l'extérieur porte une affaire, mais il faut que nous suivions une affaire pour Bana. Donc voilà le message. Là. Donc et après, dire la jeunesse, il faut y aller. Il faut y aller. Là, c'est le moment de connaître son histoire, de découvrir son culture, d'être dedans. Il faut bien être dedans pour que la Réunion, dans 20 ans, que quand il dit oui, il fait ça, il connaît, il a son appel, il a son explication, le petit maman, il vient expliquer. Et donc là, ne te trompe pas à coupure. Coupure, c'est les traditions, ben, la couper, après. Donc là nous voyons qu'aujourd'hui, qu'il essaye. Recoller. Donc, nous disons merci encore, bon grand monde, bons anciens. J'ai un petit affaire, là, c'est un petit bout, mais continuez, partagez, continuez, donnez à nous pour que nous aussi, ben, nous allons faire en sorte que nous allons donner la jeunesse à vous.